Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Swave, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode 5, je crois, de la série comment passer de 50€ à 5000€ grâce au resell de sneakers. Et aujourd'hui, on a fait quelques bonnes avancées, notamment quelques COP pré-retail, donc on va regarder tout ça ensemble. Donc je vous mets à l'écran sur le dernier épisode, on s'était quitté avec 24,30€ de disponibles pour acheter des paires, donc forcément, il fallait qu'on vende pour pouvoir récupérer de l'argent. On avait encore 4 paires de dispo, une Jordan 4 Raptors, d'ailleurs je m'étais trompé, j'avais mis Jordan 4 Cavs, une Dunk Low Black and White, une Dunk High Varsity Red et une Dunk Low Archeo Pink. Et tout ça, ça me donnait un total d'environ, je pense, 500€. Je pensais pouvoir récupérer environ 500-600€. Donc on va regarder ensemble ce qu'on a pu faire. Donc comme vous pouvez le voir, on a réussi à vendre deux paires. Donc la première paire, c'est simplement la Dunk Low Black and White en taille 41 qu'on avait depuis un petit bout de temps et qui était déjà portée et qu'on a réussi à vendre pour exactement 100€ alors qu'on l'avait payé 72€. Donc on fait environ 28€ de bénéfice dessus. C'est pas énorme, mais en vrai, on prend toujours, ça reste du bénéfice, et comme ça on peut enchaîner et racheter des nouvelles paires. Et ensuite on a la Dunk Low Archeo Pink qu'on avait eu à 99,95€ sur Zalando et qu'on a revendu pour 160€. Donc du coup quand on regarde, il nous reste 284,30€ de disponibles et encore deux paires à vendre. Donc pour ce qui est des paires à vendre, la Jordan 4 Raptors, je l'avais mis à 230€ et elle n'est pas partie, donc je pense que je vais baisser petit à petit le prix vers les 200, 190, 180, etc. jusqu'à ce qu'elle parte. Et la Dunk High Varsity Red, je la hold. Donc ça va être notre premier hold de la série. Simplement parce que comme il faut arriver très haut, ça peut prendre du temps. Donc on va garder cette paire au garage pendant un petit moment parce qu'aujourd'hui elle cote pas trop et on verra d'ici cet été je pense combien ça vaut et je pense qu'on la ressortira à ce moment là. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il nous reste encore ces deux paires à vendre. Et donc du coup avec ces 284,30€, j'ai racheté deux paires que j'ai eu la chance de cop directement encore une fois sur mon meilleur ami Zalando. Donc voilà, donc qui dit cop Zalando dit simplement que ce sont des paires que j'ai eu retail et je les ai eu en grande partie grâce à mon coup groupe Baba Finder. Je vous en reparlerai très prochainement. Je pense qu'une vidéo sur le cook arrive d'ici début janvier 2022, je pense. Simplement parce que vous êtes énormément à vouloir comprendre comment fonctionnent les cook groupes et comment Baba Finder fonctionne, parce que pour moi, c'est le meilleur cook groupe. Donc, une vidéo arrive très prochainement, mais j'attends en fait de pouvoir cop pas mal de paires pour être vraiment bien rodé sur le cook et pouvoir bien vous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne. Bref, trêve de blabla, passons sans plus tarder aux paires qu'on a cop. Donc, la première paire, c'est une paire ici avec une boîte de Dunk. Donc, comme vous pouvez voir d'ailleurs, il y a un petit accro dessus. J'espère que là où je l'ai vendu, ça passera et qu'on me cassera pas la tête pour ça. C'est une paire qui est en taille woman, comme vous pouvez voir. Donc, c'est un taille 7 woman, donc 5,5 en taille US. Donc, c'est un 38. Et on est simplement ici sur une paire de Dunk High Panda. Donc, voici la paire de Dunk High Panda. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une taille 38 et complètement neuve que j'ai pu cop pour 109,95€. Voilà, franchement, prix retail. Au début, je savais pas trop si ça se revendait. J'ai pris la taille que j'ai pu parce que, bah, en fait, avec Zalando, ça restock un peu tout le temps, donc ce jour-là, bah, je mettais au panier, et puis je prenais celle qui passait. Celle-ci est passée, c'est une taille 38, j'aurais préféré avoir une plus grande taille, mais en vrai, on prend quand même. Et en fait, tout simplement, ces paires-là, c'est le genre de paires que j'ai un peu de mal à revendre sur mon Instagram, parce que généralement, bah, les gens qui viennent m'acheter sur mon Instagram, ce sont des resellers, et du coup, ils cherchent plus souvent des paires déjà portées, en sachant que cette paire-là, je ne veux pas la garder jusqu'à trouver un acheteur, etc. Donc, c'est le genre de paires que je vends sur GOAT. Et d'ailleurs, on reparlera de ça juste après, de ce qui est de la vente sur GOAT, etc. Mais en gros, pour vous spoiler un petit peu, c'est une paire que j'ai déjà vendue. Et voilà, franchement, une paire qui est vraiment cool, qui est hyper sobre et qui est facile à porter. Dunk High, je trouve que ça va vraiment super bien sur les fils. Donc très content d'avoir pu la cop. Et ça, je sais que c'est du bénéfice facile. Bah, la preuve, j'ai réussi à la revendre, on en reparlera juste après. Mais en tout cas, très content d'avoir pu la cop. Taille 38 et encore une fois, Zalando comme sur l'Archeo qui me permet d'avoir cette paire. Je vous parlais de paire sobre et facile à porter. Que dire de cette paire? Cette paire, encore une fois, dans une boîte de Dunk. De toute façon, c'est ce qui se revend entre guillemets le mieux actuellement dans les sorties neuves. On est tout simplement ici sur une paire de Dunk en taille 8 woman et en taille 6,5 US, et c'est une paire de Dunk Low, et tout simplement une paire très facile à porter parce qu'on est sur tout simplement cette paire de Dunk Low Black and White, et oui, que j'ai réussi à choper retail, donc ça c'est vraiment cool. Et je l'ai même d'ailleurs chopé le même jour que la paire de Dunk High, donc ça c'est assez rare pour être souligné. J'ai réussi à avoir les deux le même jour, en sachant que moi je n'utilise pas de bot ni de script, je fais tout en manuel, et sur Zalando c'est assez compliqué, mais ce jour là franchement je trouvais ça pas trop compliqué comme pour l'Archeo, et donc tout simplement j'ai pu les avoir assez facilement. Donc une paire en taille 39 que j'ai payé exactement 99,80€
95 centimes. Donc là, voilà, franchement, sur cette paire-là, j'avais vraiment aucun doute que j'allais faire du bénéfice. Je pensais pas en faire autant que ce que je veux en faire, simplement parce que comme la Dunk High, cette paire est vendue. Mais franchement, je savais largement qu'en l'achetant, je ferais facilement du bénéfice. Et en fait, pourquoi? Simplement parce que la paire de Dunk Black, c'est une paire qui est unbreakable, c'est-à-dire que tout le monde, il y a toujours de la demande sur cette paire, tellement en fait, elle est facile à porter et que en vrai, moi, je la trouve vraiment super cool. Donc taille 39, ici, c'est une taille qui est plutôt pour les filles et franchement, dans ces environs, moi, généralement, quand je les achète pour les revendre à des clients, je les achète aux alentours des 170 €, donc je savais que je pourrais en tirer facilement ce prix et peut-être plus si je trouvais quelqu'un qui pouvait l'acheter à ce prix-là. Et en fait, tout simplement, ces deux paires-là, donc la paire de Dunk Low et la paire de Dunk High, ces deux paires-là, je les ai vendues sur GOAT / Alias. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, GOAT, c'est une plateforme de resell un peu comme StockX qui va tout simplement faire de la relation, de la mise en relation entre particuliers. Donc simplement, un particulier veut vendre une paire, il fixe son prix et un autre particulier peut acheter la paire, pas comme KikiKix ou With The New par exemple, qui attend de vous vendre la paire pour ensuite chercher un vendeur. Vraiment, c'est de la mise en relation entre particuliers. Et tout simplement, ces deux paires-ci, j'ai réussi à les vendre à des très bons prix. Simplement parce que j'ai réussi à tirer sur cette paire de Dunk High environ 151 € avant les frais PayPal. Et sur cette paire de Dunk Low, j'ai réussi à tirer 198 € avant les frais PayPal. Donc hors frais PayPal, je gagne sur cette paire environ 98 € et sur cette paire, je gagne environ 51 €. Donc là, franchement, c'est des très bons bénéfices. Surtout que en vrai, dès que je les ai reçus, je les ai mis en vente sur Alias le jour même et elles sont parties au bout de 30 minutes, 1 heure, et c'était parti. Ça, c'est vraiment cool parce que du coup, bah, c'est du bénéfice très, 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 très facile. Et en plus de ça, envoyer sur GOAT, c'est très facile. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est GOAT Alias, donc comme je vous ai dit, GOAT, c'est la plateforme de revente, enfin d'achat et de revente. Pour ceux qui ne comprennent pas trop la différence entre GOAT et Alias, bah, GOAT, c'est simplement la plateforme où vous allez acheter vos paires et Alias, c'est la plateforme pour les revendeurs où vous allez pouvoir vendre vos paires. Donc je l'avance sur Alias, mais en fait, ça fait partie de GOAT. Ou aussi, il y a Flight Club qui fait partie de Alias, qui est une énorme plateforme de resell aux États-Unis, mais c'est assez complexe, donc je vais pas m'éparpiller dans ces détails. En tout cas, voilà, franchement, j'ai réussi à tirer des très 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 bons prix de ces paires. Je suis très content d'avoir pu les cop. Encore une fois, merci à Baba Finder et merci à Zalando d'avoir pu me permettre d'acheter ces paires. Et donc du coup, bah forcément, vu qu'on les a vendus, on a dû avancer dans la série en achetant de nouvelles paires. Donc comme vous voyez, j'ai rentré dans le tableur le fait que j'ai vendu la paire de Dunk Low Black and White pour 198 € et la paire de Dunk High pour 151 €. Mais ces valeurs vont peut-être changer dans le prochain épisode, simplement parce qu'en fait, quand vous faites le virement depuis Alias sur PayPal ou sur votre compte bancaire, vous prenez des petites frais de traitement, donc ça peut un peu baisser le cash out que vous avez et tout simplement je le mettrai à jour dans le tableur. Mais là, pour savoir à peu près combien j'avais d'argent pour avancer, bah je l'ai mis au prix que je l'ai vendu réellement sur Alias. Donc du coup, après avoir vendu ces deux paires, on se retrouve avec 423 € 40 centimes de disponible. Là, franchement, on a très 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 bien avancé dans la série, en sachant qu'on a encore deux paires avant, la Jordan 4 Raptors et la paire de Dunk High Varsity Red. Donc là, franchement, on se rapproche des 700-750 € entre guillemets de marchandises. Donc ça, c'est cool parce qu'on est quand même parti avec 50 € de base. Donc on a très bien avancé en sachant qu'on n'a même pas vendu 15 paires. On a fait quasiment x20 avec moins de 20 paires. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc du coup, pour ça, j'ai dans un premier temps acheté deux paires et deux paires à un endroit très particulier. C'est la première fois que je fais ça. Donc on verra ce que ça donne. Mais j'ai acheté deux paires aux États-Unis et je les ai tout simplement achetées à un mec que je suis sur Instagram depuis un petit moment qui est reseller comme moi, qui fait vraiment exactement la même chose que moi. Sauf que eux aux États-Unis, ils ont en plus de ça les événements sneakers où ils peuvent avoir des très bons prix. Et donc simplement, ce mec arrive à avoir de très 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 bons prix sur certaines paires. Et c'est pour ça que je lui ai acheté deux paires, donc une paire de Jordan 4 Winter EZ et une paire de Jordan 4 Watt 2, les deux pour 82 € 90 centimes cheap. Donc simplement, c'est 82 € 90 centimes pour la Winter EZ et 82 € 90 centimes pour la Jordan 4 Watt 2. Donc ce mec-là, je vous mets son Instagram en description, c'est The Primetime Footwear. Il fait vraiment des très 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 bons prix. Les frais de port, c'est 30 dollars du coup, et vous avez pas de frais de douane parce qu'il fait en sorte que le colis ne soit pas considéré comme ayant besoin de frais de douane. Et tout simplement, bah, c'est ce qui m'a permis de les avoir pour ce prix-là. Et même si j'habitais aux États-Unis, j'aurais payé encore moins cher parce que là, j'ai dû payer 30 dollars de shipping alors que normalement, ça aurait été entre 8 et 10 dollars. Mais voilà, c'est comme ça, on habite en France et même comme ça, ça reste des très 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 bons prix. Donc, il y en a une en 41, c'est la Winter EZ, il y en a une en 40, c'est la Watt 2. La Winter EZ n'a pas la box, mais la Watt 2, elle,
à la box. Ce sont des paires qui sont portées mais qui restent en vrai dans des conditions correctes. Et je pense sur la Winter EZ pouvoir tirer environ 130-140 € assez facilement. Et sur la Watt 2, je pense pareil pouvoir tirer 130-140 €. Donc franchement, on va prendre un bénéfice facile d'au moins 80 à 100 €. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc du coup, ces deux achats, ils nous laissent avec un total disponible de 257 € et 60 centimes. Voilà, franchement, on a encore beaucoup d'argent disponible à dépenser. À l'heure où je vous parle actuellement, moi, je n'ai pas acheté d'autres paires, mais je sais que j'ai un meetup prévu avec un pote pour une paire pour vraiment un très 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 bon prix. Donc je vais essayer de l'inclure à la vidéo. Je sais que normalement ce meetup je dois le faire en fin de semaine, donc je vais essayer de le faire plus tôt que prévu pour pouvoir l'inclure à la vidéo. Si ce n'est pas le cas, ce sera dans le prochain épisode. Mais en tout cas, voilà où est-ce que j'en suis à l'heure où je tourne cette partie de la vidéo. Voilà, donc si jamais il se passe autre chose, bon, on se retrouve le jour où il va se passer quelque chose. Et s'il se passe pas quelque chose, bon, on va arriver tranquillement sur la fin de la vidéo. Ok, donc on se retrouve quelques jours plus tard, pas pour le meetup pour la Jordan 4 UNC, parce que malheureusement ça se fera pas dans cet épisode parce que la personne à qui je dois l'acheter n'était pas disponible avant que la vidéo sorte. Cependant, j'ai reçu les deux paires dont je vous avais parlé donc juste avant, qui étaient la paire de Jordan 4 Winter EZ et la paire de Jordan 4 Watt 2. Quand je vous ai dit que je les avais achetées, je vous avais dit que je les avais payé 82 € et 90 centimes unité parce que je les avais achetés aux États-Unis, etc., etc. Sauf qu'en fait, quand je les ai reçus sans les semelles intérieures et c'était pas précisé dans les annonces, donc j'ai envoyé un message à la personne qui me les a vendus, qui m'a dit que c'était une erreur de sa part, qu'il les avait pas vus non plus et que du coup il m'a remboursé 20 $. Donc au final, ça fait que j'ai payé chaque paire 74 € et 41 centimes, ce qui en vrai est un très 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 bon prix. Donc on va regarder les deux paires tout de suite. Donc voici la première paire. Donc c'est une paire de Jordan 4 Winter EZ, comme je vous l'ai dit, en taille 41 et qui, donc du coup, comme vous pouvez le voir, n'a pas la semelle intérieure, ce qui en vrai n'enlève pas énormément de valeur, mais ce qui en fait permet de la rendre plus compliquée à vendre, parce qu'en fait les gens, du coup, quand ils n'ont pas la semelle intérieure, ils vont avoir plus de mal à acheter, de 1 parce que ça peut tailler plus grand et de 2 parce que ça peut être moins confortable. Après, dans les faits, en réalité, il n'y a pas réellement de différence ou vraiment une très petite différence, mais ça peut freiner les gens à acheter la paire, ce que je comprends. Mais en tout cas, pour ce qui est de la paire générale, elle reste dans une condition ok. Disons que le daim bizarre de la Winter EZ est un peu abîmé, mais il n'y a pas de trou, il n'y a pas de dégratignure, il n'y a pas de déraflure, la peinture de la semelle n'est pas craquée ou que très peu ici, vous pouvez voir. Donc en vrai, franchement, 74 € pour ça, ça reste un bon prix, en sachant que ça, c'est pas la pépite du lot entre guillemets. Celle-ci, je pense pouvoir la vendre 100-110 € facile, mais c'est pas ce qui va me rapporter le plus d'argent. Donc en vrai, on prend. Voilà, le lot, je l'ai payé environ 150 €, donc franchement, ça reste ok de pouvoir revendre ça pour 110 €. C'est à dire qu'il faut juste que je vende l'autre paire pour 50 €. Vous allez voir que ça se fait largement. Voilà, franchement, première paire, dommage qu'il n'y ait pas la semelle intérieure, mais en vrai, ça reste ok. Donc franchement, je suis très content d'avoir pu la récupérer. Et donc, seconde paire, on a cette paire de Jordan 4 Watt 2, je vais pas l'ouvrir tout de suite, qui a la OG box que vous pouvez voir, mais juste le price tag a été déchiré, parce que pour les boîtes américaines, généralement ici, il y a un petit price tag. En vrai, ça change pas grand chose, que ici, nous, en Europe, on n'est pas habitué à l'avoir, mais voilà, c'était un petit point que je voulais relever. Et donc du coup, ensuite, on arrive ici sur la paire de Jordan 4 Watt 2, qui, comme vous pouvez le voir, est dans une plutôt bonne condition. Voilà, franchement, il n'y a pas réellement de gros défauts sur la paire, il n'y a même pas trop de petites égratignures, etc., sur la paire. Elle est vraiment dans une très très bonne condition, à part le yellowing, mais ça, malheureusement, ça arrive très souvent avec les paires de Watt 2. Et comme je vous l'ai dit, pour être rentable sur cette box, il faudrait que cette paire, je la vende 40 à 50 €, en sachant que dans l'état, même s'il n'y a pas les insoles sur la paire, donc là, il y a beaucoup de mouchoirs dedans pour que ça rembourre bien le pli, mais même s'il n'y a pas les insoles, je pense pouvoir la vendre facilement 130 €, 140 €. Donc en vrai, ça voudrait dire qu'on pourrait faire un bénéfice d'environ 81 à 90 € sur la box. Donc ça, c'est vraiment cool. Et franchement, ça me permet d'avoir un nouveau vendeur régulier, entre guillemets, parce que le mec auquel je l'ai acheté, je sais qu'il fait très souvent des très bons prix, et du coup, je vais pouvoir lui acheter plus souvent des nouvelles paires. D'ailleurs, restez branchés, comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo concernant ce mec-là qui arrive très prochainement. Vous allez voir, je pense que c'est un type de vidéo qui peut vraiment vous plaire, et moi, c'est le type de vidéo que je kiffe regarder. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, il y a une vidéo qui pourrait vous plaire, qui va sortir très prochainement. En tout cas, voilà pour cette petite paire de Watt 2 et pour ce lot qu'on a payé 150 € et je pense pour en tirer 230 à 240 €. Donc voici comment se présente le tableur. Donc on a 274 € et 58 centimes de disponible, sauf qu'il s'est passé quelque chose entre temps. C'est tout simplement qu'on a vendu la paire de Jordan 4 Raptors. Donc la paire de Jordan 4 Raptors, ça fait un petit moment qu'on l'a, on l'a vu dans un colis lot avec Flo, que vous avez, je crois, unboxé sur la chaîne. Donc du coup, voici ce à quoi elle ressemblait. Il y a les factures qui se cassent la gueule. Donc voici ce à quoi elle ressemblait. Franchement, elle était vraiment dans une très 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 bonne condition et ça faisait un petit moment.
Donc je disais, ça faisait un petit moment que je l'avais et je la mettais à 230€ sur le compte. Je pensais qu'elle pourrait partir facilement à ce prix là, mais en vrai elle tardait à partir. J'ai eu une offre à 200, je l'ai accepté, le mec a payé directement. Donc en vrai franchement, je l'avais payé 140, on prend 60€ de bénéfice là dessus et franchement ça permet d'avancer dans la série, de récupérer 200€, ce qui va nous permettre d'acheter 2 ou 3 paires. Donc on rentre du capital et ça c'est vraiment cool. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que la paire est vraiment hyper cool. Elle est très 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 sous-cotée. Par exemple en paire noire comme ceci, il y a la Black Cat ou la Olivia Kim qui sont très souvent cité. Là celle-ci je trouve qu'elle fait parfaitement le taf, même s'il y a des détails rouges et violets etc. Je trouve que la paire est vraiment super cool et qu'elle change un peu de l'ordinaire. Donc franchement très content d'avoir pu l'avoir entre les mains, c'est la première fois que j'en vendais et je peux faire 60€ de bénéfice dessus, donc ça c'est vraiment cool. En plus de ça c'est une taille 46, c'est assez rare que j'ai du 46 ou du moins des grandes tailles, c'est plutôt rare. Donc ça permet de diversifier ce que je vends sur mon Instagram et de toucher plus de public, donc ça c'est vraiment encore un bon point. En tout cas voilà, donc je l'ai vendu 200€, ce qui fait que maintenant notre capital disponible est de 474,58€, alors qu'il nous reste encore 3 paires à vendre. Donc ça franchement c'est vraiment très très bien, on a fait x10 avec en plus 3 paires à vendre sur côté, donc ça c'est vraiment énorme, on en avance vraiment 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 bien dans la série. Et ce qui fait que dans le prochain épisode on va pouvoir acheter beaucoup de paires parce qu'on a quasiment 500€ de disponibles. En plus de ça on a peut-être quelques paires qui vont se vendre, donc là franchement il va falloir charbonner pour trouver des nouvelles paires pour revendre. J'en ai d'ailleurs acheté une mais je vais pas vous en parler tout de suite parce que tout simplement je l'ai eu pour un très bon prix et peut-être qu'elle est fake, donc j'attends de la recevoir. C'est une paire de Jordan 1 mid, je vous en dis pas plus. Voilà, et j'espère que la paire quand je la recevrai sera complètement legit parce que je sais qu'on peut faire un bon billet dessus. En tout cas voilà, on arrive tranquillement sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors franchement moi cette série c'est toujours autant un kiff de la faire, de 1 parce que je vous montre comment j'ai commencé et de 2 parce qu'on voit vraiment une vraie évolution dans mon budget, donc ça c'est vraiment super cool et c'est hyper satisfaisant à faire. En tout cas voilà, moi j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que cette série vous plaît toujours autant. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche des notifications et également à me rejoindre sur mes autres réseaux, donc sur mon Instagram où je vends toutes mes paires et également sur mon TikTok où je montre un peu les différents meet-up que je fais etc, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était SwiftKicks et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.